Les amis, je sens que cette vidéo va être très catastrophique. Eh bien bonjour à tous les amis, c'est JX. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire un petit défi. Ce défi ce sera tout simplement à base d'eau et de clavier. Et rien de plus, à part un petit peu de PVP bien évidemment. Aujourd'hui je vais tester de faire un défi. Je vais prendre un clavier waterproof qui est très semblable à celui de chez Klim. Voilà ce clavier, très très simple. Et à chaque mort, je vais verser un verre d'eau sur ce clavier. Et je pense que ça va être vraiment très très chaud au niveau de mon setup, parce que je pense que ça va prendre très cher. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Ça prend 2 secondes, faites-le avant d'oublier. Et puis alors, proposez-moi d'autres défis dans les commentaires, les amis. Et puis vous pouvez faire vos pronostics en commentaire dès maintenant. Dire si oui ou non le clavier va résister. Je vais mettre aussi un petit sondage en haut de la vidéo, juste là. Ou là, je sais plus. Enfin bref, c'est en haut. Donc on va installer tout ça et puis c'est parti pour le carnage les amis. Je tiens à dire que j'ai à disposition le fond d'une bouteille et cette gourde. Je pense que ça le fera quand même. Je vais peut-être pas mourir autant que ça. Et toi, psst, t'es ambitieux? Ouais. T'as des projets? Ouais. Tu veux les réaliser? Ouais. As-tu déjà mis tes idées sur papier? Ok mec, j'ai un putain de projet. Alors là, t'as le client, il vient. Là, t'as le service qui... À partir de cette date... Ah non, c'est mon nom. Tu veux pas regarder? J'ai la solution qu'il vous faut. Avec le logiciel Hydromax, vous pouvez réaliser des diagrammes, des cartes mentales, des canevas, des schémas de management et d'entreprise, et encore bien plus. Regardez juste la liste. Il y a beaucoup de choix pour mettre vos idées au clair. Si vous avez des projets, vous pouvez modifier tous les textes qu'il y a, en rajouter, en supprimer, ajouter des images. Comme vous l'aurez compris, il y a énormément de paramètres pour pouvoir personnaliser tous les diagrammes dans à peu près tous les domaines de l'entrepreneuriat. Et comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'icônes qui sont en rapport avec le diagramme, qui sont souvent payants sur internet. Chaque catégorie peut être filtrée et triée pour trouver le genre de schéma qu'il vous faut. Très précisément afin de mieux mettre au clair vos idées. Donc si vous avez des projets en tête et que vous voulez les réaliser pendant le confinement, je pense que c'est le meilleur moment. Le téléchargement est gratuit, vous avez 15 jours d'essai et tout se trouve en description. Ok, alors vous demandez pas pourquoi il y a Philippe Etchebest juste ici, juste allez me follow sur Instagram et Twitter. Donc c'est parti pour la mise en place. Hop, tac, on enlève le clavier. On met le nouveau. Attention les amis, voici le RGB. Donc voilà, il reste assez basique et j'espère qu'il va rester longtemps aussi, parce qu'avec toute l'eau qui va se prendre, ça va être très très chaud. On va mettre cette magnifique serviette en dessous le clavier. Mais juste avant les amis, on va mettre des petites protections pour pas que l'eau aille tout simplement sur mon tapis de souris. Alors jugez pas, hop, et on va mettre ça. Et normalement ça devrait le faire, enfin j'espère, parce que sinon... Mon record a bugué, du coup je disais bah sinon ça serait dommage, et puis voilà, on passe à la suite, tout est prêt. Suspect, hein, ça c'est le guet-apens. Et bien re les amis, on se retrouve tout simplement pour jouer avec le clavier qui est juste ici. Donc on se trouve sur Minecraft, voilà, on a le clavier, on a la souris, donc c'est parti, on va faire des fights. Et il y aura une petite particularité, c'est que comme on va jouer contre des gens que je ne connais pas, il se pourrait qu'ils soient beaucoup plus forts que moi. Donc ça va être encore plus de challenge pour moi, donc c'est parti pour le premier fight en, allez, no debuff. On va rigoler un petit peu, mais je pense que le no debuff c'est vraiment un mode de jeu où est-ce qu'il y a beaucoup de joueurs forts. Donc c'est parti. Ok, bah ça commence déjà très mal. C'est quoi ce merdier? Il tryhard comme un malade! Ok, c'est bon, je m'en fous, je tryhard! Allez, tiens, ta merde! Pardon, désolé, je suis vraiment désolé. Ok, donc combo, là on va jouer un petit peu. Ok, donc c'est parti, là ça commence à pas mal se passer. Peut-être qu'il y aura un retournement de situation, comme ici par exemple. Oui. Je me fais combo, c'est très frustrant. Ok, c'est bon, je le domine les amis, c'est magnifique. Je le tiens, je le tiens, je le tiens, je le tiens. Le casque, les pieds, ok c'est bon, tué. Ouh, franchement j'ai beaucoup de chance aujourd'hui. Ils ont pas l'air d'être si chauds que ça. Ma connexion a crash. C'est... Les gars, j'ai vraiment les pires bugs au monde. C'est fou. Je peux tout casser. Ouais, c'est toujours agréable quand la connexion bug. Putain, l'aspirateur automatique de merde. C'est parti pour du debuff les gars. Si c'est trop facile, on rajoutera un petit défi, c'est d'enlever le casque. Mais là c'est parti, on va voir déjà si j'y arrive ou pas tout simplement. Donc c'est parti. Ça a l'air d'aller. Ok, je vais l'avoir. Non, ok. Gros tryhard les amis de la part des deux joueurs bien sûr. J'ai pas envie de mettre de l'eau. Donc premier verre d'eau les amis. Donc c'est parti, on va être gentil pour le premier honnêtement. Quoique je sais pas, on verra. Donc c'est parti. Hop. Ah non, en fait on a été très méchant, ok. Donc c'est parti. Ok, premier verre d'eau. C'est un peu froid, c'est chiant, c'est très très chiant. On va faire un petit peu de sumo, ça va être beaucoup plus rapide. Mais putain, mais je gagne tout le temps, c'est quoi ce merdier? Ok, le même. Non. Je bouge pas, non, si, ok. Bon bah je suis mort, deuxième verre. Mais putain, mais je gagne tout le temps, c'est quoi ce merdier? Putain là ça va super vite par contre, c'est horrible. Ok.
Ok, j'espère que le truc il va pas claquer. Mais ça a l'air de tenir pour le moment. Ça commence à fuir de tous les côtés. Ouais, effectivement. Bon, écoutez, pour l'instant, si ça tombe pas sur l'électricité, ça va. Donc c'est parti, on refait un autre fight. Un petit peu de spliff pour tout simplement bien s'amuser. Oh non, non, c'est un abonné, mais non. Je sais pas si c'est un abonné parce qu'il... Non. Mais là, c'est mort de chez mort, frérot, pour le screen. Petite technique, les amis, vous récupérez des boules de neige. Oh, oh, c'est un malade. Ok. Ok, GG. Ok, ça arrive. Ça... Franchement, j'arrive bien le combo, j'ai bégayé, mais... J'arrive bien à le combo avec la canne à pêche, c'est magnifique. Ah, il galère, il galère. Ok. Honnêtement là c'est pas drôle, je meurs tout le temps, qu'est-ce qui se passe? Ce que je vais faire, c'est clairement jouer sans casque hein. Mais là je suis peut-être un peu trop confiant évidemment. Mais je perds trop de dégâts. Ah, non. Non, ah, non. Non. Quoi? J'ai même pas parlé, juste hop, tac. Et c'est tout, voilà. Il a l'air de bien résister quand même. Ça commence à tremper de ouf, hein. Je vais retirer les pieds. Voilà, ça va être beaucoup mieux. Wesh. Ma carte est pleine sur mon appareil photo, c'est horrible. Ok, je l'ai eu de justesse, donc je remets la caméra. C'est parti, sans les pieds tout simplement, j'aime bien dire ça. Non, pas de ce... Non, un abonné, mais c'est trop mignon, mais... C'est trop mignon, mais moi j'ai envie de jouer, les gars, hein. Vraiment. Il me dit ça va. Oui ça va mec. Putain, c'est quoi les touches? Ok voilà. Ok donc 3, 2, 1, let's go. Mais pourquoi il me touche pas? Eh je vous jure il fait exprès pour la vidéo quoi. Ok c'est parti. Mais quoi? Mais et pourquoi on se touche pas? C'est quoi ce fight? J'ai perdu encore aucun cœur. Il a l'air d'avoir du mal à jouer. Allez, GG mon gars, GG. Donc pas de verre d'eau évidemment les gars. Ok, maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va jouer exclusivement avec tout simplement la hache. Mais putain! Tiens, tiens, vengeance. Oh, satisfaisant. Il y a un anti-ghosting. Il n'y a pas d'anti-ghosting justement. Ça veut dire que je peux pas appuyer sur beaucoup de touches en même temps. C'est horrible les gars. Oh, il a pas pris sa pomme. Non. Non. Bon bah c'est parti, encore un verre d'eau les gars. J'ai un peu débordé, bon c'est pas grave, écoutez. Hop, voilà. Je triche pas bien sûr évidemment. Ok let's go. Il a l'air d'être assez bon quand même. Ok, ah bah, what? Quoi? C'est tout? Ok on va faire un petit peu de combo, ça va être beaucoup plus rapide. Non. Ok, encore un verre les amis. Ça fait beaucoup trop. Ok, voilà. Ça fait quand même beaucoup les amis. Là ça commence à avoir de l'eau un petit peu partout. Ok, on fait encore un build du HT. Et puis après je pense que ça va être fini les amis, parce que je gagne trop, et oui. Allez voilà, je vais encore gagner les gars. Ok. Bon les gars, je pense qu'on va faire une petite conclusion. Je me suis étouffé. Parce que là je pense que ça suffit hein, honnêtement. Il y a quand même pas mal d'eau. Donc on se trouve pour faire la petite conclusion. Je vais vous montrer tout ce qui s'est passé. Et puis après, conclusion de la vidéo. Et puis voilà, c'est parti. Et bien re les gars, voici comment ça a fait. Alors du coup, je sais pas si on voit bien, mais il y a beaucoup d'eau genre du coup qui allait ici. Il y en a beaucoup hein, là, c'est tout trempé. Le clavier a bien résisté, ça fonctionne encore. Les LED sont encore intactes. Les touches fonctionnent aussi. Quand j'écris, et bah ça marque, voilà tout simplement. Donc honnêtement, bah le test est approuvé. Et puis le défi aussi, il est assez simple. Il est un peu encombrant parce que là j'ai quand même de l'eau partout. Mais bon, voilà, en vrai je trouve que ça passe crème de ouf, voilà, c'était pas le défi le plus difficile au monde. Si vous avez d'autres défis les gars, je suis preneur. J'ai juste un peu galéré à arranger, faut que j'étende ça dehors et tout. Bref, on se trouve faire la conclusion. Donc c'est parti les gars. Et bien les gars, écoutez, j'attends tout simplement vos défis en commentaire. Parce que là c'était relativement assez simple, même si y a encore un peu d'eau partout et que je vais devoir le sécher. J'espère que vous aurez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Venez me rejoindre sur Twitter et Instagram. En tout cas, nous on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, c'était GX.